Hey, salutations. Petite soirée, voilà, sur la Minecraft. Je suis content. Ça faisait longtemps que je voulais y jouer. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense qu'on va jouer en moyen, tranquille. On va pas faire les fous, hein, clairement. Sinon, on va se faire démonter. Alors, améliorer vos armes en section et en appuyant sur X dans la section inventaire du feu de camp. Ah oui, donc c'est. À mon avis, ils ont pris le même principe de feu de camp de l'an dernier. De leur dernier opus de Tomb Raider. Bon, c'est déjà la merde. De toute façon, à chaque début de Tomb Raider, c'est la merde. T'es là? 2 jours avant. Donc avant le crash de l'avion, on va voir savoir comment on est arrivé dans cette merde. Quand on était déjà pas très bien 2 jours avant. Par contre, j'ai l'impression elle est poisseuse de fou. Hein. Oh putain, je suis dans le jeu là? Jonas, je t'entends. Le jeu est magnifique, hein. Y'a rien à dire. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Pour des jeux comme ça, que j'aimerais bien avoir une meilleure carte non, graphique pour je le suis tout pousser près à fond. J'ai pas envie de me faire opérer. Ce sera pas long. Elle est mal au point déjà. Hein. Elle est tout le temps mal au point cette meuf. C'est vraiment une warrior. Allez, un petit rouleau de scotch et on est reparti, hein, c'est bon. Mouvement de base. Appuie sur A pour sauter ou enjamber les plateformes de basse ou petits obstacles. Ok. Jonas, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Les trinitaires n'ont pas fini. Ils protègent quelque chose. 6 semaines. Et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des trinitaires. Mais j'ai parlé à des gens en ville. Et c'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des oh morts. Merde. Un certain Dominguez. On devrait enquêter. Ah, voilà. Donc là, en gros, on est au tout début du jeu. On est plongé dans... Elle était coincée. Une putain de... Une cavité, on va dire. On appelle ça comme ça. Alors, est-ce que là, de parents inclinés... Sa mère. Je sens que je vais me fail et que je vais tomber. Hein. À mon avis, ça va arriver. Hein. Jonas, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Ouais. Pour le moment, ça va. Y a pas trop d'ennemis ou quoi. Oh, je reconnais la grande ours. MDR, pas du tout. Ah! Merde. On nous entend. Putain, mais retire le flash. Ok, bon. Tu as un appareil de cette qualité, à mon avis. Lara! Je prends les meilleures photos avec mon téléphone, quoi. Oh, mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure? Non, ça va. Moi non, c'est rien pour Lara Croft, un petit bout de scotch quoi, et... On est reparti, les hein. Constellations,
Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent. Bah, je sais pas par quel moyen il est arrivé, mais... Apparemment, on devait se rejoindre ici à la base. Mais je sais pas comment il est arrivé. Peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher ? Aïe ! Je vais reprendre la manette parce que ça pue la merde. Lara ! Ouais, il faut qu'on sorte d'ici ! Ah, mais sérieux, non, range ton téléphone ! Allez ! La place pour les paquets de bombes. Vite! Cours! Dépêche-toi! Allez! Si tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. T'y serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonah. Eh, ça te dit de souffler un peu? On pourrait se poser au café. Oh, il est sérieux, lui? Pose un rencard comme ça. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Et je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi ? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Mais lui, je sens qu'il va mourir, en fait, donc... Je sais pas pourquoi, hein, mais... Ah, y'a Maxé, quoi. Ça me fait penser au film de Disney, là, Coco. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Pérou. Pérou ? Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Docteur, on a trouvé. Oui ? Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons où il va. Jonah, il arrive à la porte. Je le vois. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Je vais y aller tout seul. Hey les gars, comment ça va ? Je vois que vous avez beaucoup à faire, je vais pas vous déranger plus longtemps. À plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. À plus dans le bus. On sent vraiment en sécurité. À deux mecs avec une AK dans la main, quoi. Pardon, excusez-moi. Ouais. C'est où ce... Ouais, dégage, s'il te plaît. Merci. Laisse passer, moi je suis Lara Croft, hein. Disculpe, señorita. C'est moi. Non, disculpe, mais señorita. Connard, hein. Señorita, señorita, mon cul, hein. Jonah, ils sont dans le site de fouille. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. Remets ton masque, ma petite. Ok. Bon bah là c'est parti. On rentre dans le vif du sujet directement. Emmenez-le dans les ruines. Ça devrait être assez loin pour masquer le bruit. Non, pitié. Ça sert à rien. C'est ta faute. Pas tout de suite. Non, je vous en supplie, non. Il y a bien d'autres balances. Non. Dernière pensée. Stop. Attendez.
représente le gouvernement. J'ai le droit d'être ici. Plus maintenant, monsieur l'archéologue en chef. On vient de mettre un terme à votre contrat. Pitié, non. J'ai de l'argent, je peux vous payer. Allez. Hasta la vista. Hey, merci pour ton raid, Saucine. Je vous ferai pas de mal. Et bienvenue, ceux qui regardaient du coup, So. Ils ont trouvé quoi? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent. Ils arrivaient pile poil pour un petit headshot. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Ah, je suis encore tout seul, putain. Il y a un piège là. Ouais, sur le sol, j'ai vu le truc. C'est Ishel, la déesse de la pleine lune. Oh, et là, c'est Shakshel, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Shakshel, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Shakshel dans son temps. Voilà. Ok. L'entrée doit être là-dessous. Ouais, unique, ça. Bon, déjà, faut bien que je descende. Hop. Putain, c'est X Shell. Ça aurait été l'inverse, ça aurait fait Shell Xi. MDR. comment je descends là? Ah. Eh oui, c'est bon. Oh putain. J'ai failli tomber. Appuie sur L ou RT pour descendre. Bon, ça rappel. Devrait marcher. Hop là. Voilà, je sens tellement pas ça. Ok, alors. Ok. Ici le commandant Rourke. Sécurisez toute la zone. Dès que le docteur Dominguez sera là, on entrera tous ensemble. Tu vas faire des épisodes sur YouTube. Bah peut-être, pourquoi pas. Ouais, c'est une bonne idée. À toutes les unités, tenez-vous prêts. Le docteur Dominguez est en chemin. Oh non, je dois me dépêcher. Ah bah super. Allez, allez, on y va. Ok. Course murale. Orienter LS vers l'avant et l'arrière le long du mur pour gagner suffisamment de... Ah ouais, d'accord. C'est bon. Oh là là, laisse tomber. La statue regarde cette caverne. Et c'est Tarzan. Voilà. Ok, easy. Jonah, j'entre dans une caverne. On risque de perdre le contact. Bien reçu. Jonah, je vais me perdre toute seule et tuer tout un tas de gens. Désolé. Au revoir. De toute façon, tu sers à rien, Jonah. Ok. C'est une bonne idée, ça, Len, de faire des épisodes. Je verrai si j'ai le temps. Déjà, je vais essayer de rattraper tout le retard que j'ai sur Minecraft, et après, pourquoi pas. Cette caverne a l'air d'être souvent inondée. Oh, mais c'est sympa, ça, dis donc. Il y a de l'ambiance, ici, hein. Fresques. Examiner les fresques pour améliorer votre savoir antique. Bon, bah, s'il faut examiner les fresques, alors... Ce document décrit une sorte de voyage ou de pèlerinage entrepris par les Mayas. Ils transportaient un objet de grande valeur et se dirigeaient vers le sud, vers la source du poisson rose, l'Amazone. Donc là où il y a les dauphins roses. Exactement. Voilà, je vous l'apprends hein, parce que bon, je suis un peu archéologue aussi, avec temps perdu. Visez avec LT et maintenez RT pour flèche grappin pour tirer des objets.
Ok. Elle a plus d'une corde à son arc. Ok, alors. Oh, 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 oh. On va se calmer là. Ah oui. Faut que je fasse gaffe au piège parce que je vais me faire one shot, ça va être vénère. Ah, y'a que vous, putain de rat. Mais où je suis tombé? Bonjour monsieur, vous êtes là depuis un moment, je crois, non? Oula, vous avez des copains aussi derrière vous. Bon, je vais vous laisser, hein. Ah, j'ai un point de compétence. Il va falloir que je trouve un petit feu de camp. Ah, attends, nager. Maintenez pour monter, ou B pour plonger, appuyez sur rien, maintenez pour nager. Ah, nice. Tu sais que je peux mourir de... Je reste longtemps sous l'eau. Nice, c'est un poisson rose. Oh, salut. J'ai pas eu peur. Je vous ai fait croire, hein. Oh putain. Oh là là. J'ai esquivé ça. Ça sentait le piège de toute façon. Ah oui, je serais bien mort comme une merde. Je vais sûrement en prendre un tôt ou tard, hein. Ne vous inquiétez pas. Waouh. Jonah, j'ai réussi. Je suis dans un temple souterrain. Je croyais qu'on aurait pu communiquer. C'est la fin de ce premier épisode sur Shadow of the Tomb Raider. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit like et de vous abonner pour suivre l'aventure. Ça crée des secousses. À très bientôt. Il y a une pyramide. Je vais monter au sommet.